Chers élèves, bonjour. On arrive au quatrième sujet de production écrite, toujours en rédigeant un texte argumentatif. Cette fois-ci, le thème est un thème d'actualité, c'est les réseaux sociaux. Si vous êtes prêts, on commence. Le sujet. Certains pensent que les réseaux sociaux privent les gens de leur liberté. Partagez-vous ce point de vue? Les réseaux sociaux ou bien l'addiction aux réseaux sociaux est un problème d'actualité que nous vivons chaque jour dans notre vie et dans notre société. Donc, est-ce que vous croyez que les réseaux sociaux ont privé nous a privé ou bien ont privé les gens de leur liberté? C'est-à-dire que les gens n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont attachés aux réseaux sociaux. Pour l'introduction, nul ne peut nier que les réseaux sociaux deviennent une préoccupation quotidienne pour plusieurs personnes. Ce sujet partage les opinions en deux catégories. Les uns pensent que cette utilisation prive les gens de leur liberté, alors que d'autres estiment le contraire. Qui des deux parties a raison? Donc, on a présenté le sujet. Puis on a présenté les deux catégories, ceux qui sont pour et d'autres qui sont contre, et on a posé la question. Première partie du développement concernant les partisans. Les partisans de cette idée de privation de la liberté la consolident par les preuves suivantes. En premier lieu, la majorité des jeunes passent beaucoup de temps à regarder leur smartphone, car ils ont ouvert les yeux sur ces gadgets, c'est-à-dire tablettes, téléphones, ordinateurs, portables, depuis leur jeune âge. En second lieu, on laisse les études, les recherches et parfois on est attaché à son appareil pendant le travail, ce qui cause une addiction de ce genre de communication. En revanche, les opposants, ceux qui sont contre, soutiennent leur point de vue en citant les arguments qui suivent. D'abord, ils disent qu'un homme ou une femme adulte est conscient de la gestion de son temps, donc il ne va pas négliger les nécessités pour suivre les réseaux sociaux. Ensuite, même pour les enfants, les parents sont les responsables, alors il faut qu'ils contrôlent ce que font leurs enfants pendant la journée. En guise de conclusion, c'est vrai que les réseaux sociaux gagnent de plus en plus de terrain et offrent plusieurs possibilités, mais il faut que chacun gère son temps d'une manière à ne pas négliger les choses importantes. Personnellement, je dis que les réseaux sociaux privent les gens de leur liberté. Donc, c'est un exemple de production écrite concernant les réseaux sociaux. Donc, il y en a ceux qui disent que les réseaux sociaux, ils privent les gens de leur liberté à cause de ces réseaux sociaux. On ne fait plus les choses qu'on aime. On ne fait plus de sport, on ne se promène plus, on ne visite plus nos amis, etc. On est attaché à nos appareils. Alors qu'il y a d'autres qui disent non, la responsabilité est celle de l'homme. C'est à lui d'être conscient, de gérer son temps et d'être responsable aussi de ses enfants et de ce qu'il regarde. Donc ça reste un point de vue personnel pour moi que les réseaux sociaux, vraiment, ils ont privé les gens de leur temps. Donc, vous pouvez avoir cet exemple de production écrite dans l'examen régional. J'espère qu'il est clair. Merci pour votre attention et à bientôt.